Je compte sur toi. Garde ton sang-froid. Allez, ensemble. Ça va mieux que ça. Ça coûte, hein?
On devrait plus être loin. Commençons à chercher. Tu m'as jamais lâché. Honnêtement, je sais pas ce que je serais sans toi, mon pote.
Allons chercher le reste. Attendez-moi ici. T'as plutôt l'air d'y prendre du plaisir, dis donc. S'il y a un truc qui me rend heureux, c'est bien... Et puis, la valeur d'un outil dépend de celui qui l'utilise. Ça vaut aussi pour les armes. Je dirais même, surtout pour les armes, d'ailleurs. Quelle beauté! Tiens, c'est pour toi. Je te préviens,
J'ai bien l'intention de m'en... Ah, tu peux en faire ce que tu... Je t'ai bien dit que la valeur d'un outil dépendait de son utilisateur. Eh ben, ce qui est important pour moi, c'est qui manie mes inventions, plus que ce à quoi elles servent. Et franchement, peu importe. Ah. Tu ferais mieux de pas me couper. Tu sais, ce truc, attends, je sais pourquoi son créateur l'a rendu modulable. Il l'a fabriqué en pensant à ton avenir, en espérant qu'un jour, tu n'aies plus à te battre. Jusqu'à présent, tu as fixé que des armes. Mais qu'est-ce que tu feras dans 6 mois? Ou encore, dans 3 ans? À l'occasion, réfléchis. L'intention de celui qui a conçu ton bras mécanique, elle résonne en moi. Et qui sait, tu pourrais même y attacher un mixeur géant un jour. Imagine la taille du gâteau que tu... C'est que t'es un petit rigolo, toi. Ah, mais je suis très sérieux. C'est même le prix de cette arme. Tu me paieras avec ce gâteau. D'ici là, tâche de rester en vie. Quel drôle de type. Un peu comme toi. Ouais. Je l'aime bien, en fait. À toi de jouer. Ça va ton copain? Ouais, mais laisse-moi faire. Dans ta face. Voilà, là, c'est bien. Bon, profitez. Dégage de là. Voilà. Est-ce que ça te plaît? Te tiens, toi. Garde ton sang-froid. Je t'en mets plein la vue. Voilà. Je cherchais. Je me préviens, y a pas de temps mort. Dépêchons-nous. J'ai l'estomac dans les talons.
Comme un ou deux champignons. Ça nous portera bonheur. C'est pas vrai. Des bolégongas. C'est la première fois que j'en vois autant. Il faut dire qu'Amidgar, c'est une denrée de luxe. Mais dans le coin, on en trouve partout. Eh ben... Oh. Que venez-vous faire par ici? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tu ressembles un peu à quelqu'un que je connais. Vous n'êtes clairement pas du coin. Et voilà. Alors dites-moi, qui êtes-vous? Vous n'avez pas du tout l'air d'inspecteur du réacteur. Nous venons visiter le réacteur. Ce qui fait de nous des touristes. Chut. Je vois. Oh. Bienvenue à Gongaga. Je suis Sisney, capitaine de brigade. Désolée de vous avoir agressé. Nous sommes chargés de la sécurité. Retournez tous à vos postes. Ok. Ok. Okay. On peut voir le réacteur du haut de la colline, là-bas. Il y a aussi un mémorial. On vous remercie. Suivez-moi. Vous le voyez, c'est un village très paisible. Veillez à ne pas créer de problème. On vit en harmonie avec la nature ici. En revanche, on a très peu de visiteurs. Les derniers avant vous remontent à bien longtemps. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 ans, le réacteur de Gongaga a soudain explosé. Un accident dû au vieillissement des installations. Si elles avaient été entretenues correctement, cet accident aurait pu être évité. Encore la faute de la Shinra. Cela dit, c'est aussi elle qui a construit ce mémorial. Eh ben, on peut dire qu'on aura tout vu, là. Les gens d'ici sont très bien dirigés. Le village s'est vite relevé. Hein? Quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui va racheter les crimes de la Shinra. Vous devez tous être fatigués. Avant d'aller au réacteur, vous devriez vous reposer. Ce serait avec plaisir. Ma maison se trouve là-bas. J'ai une chambre pour les invités. Faites comme chez vous. Super, trop bien! Je pars demain! Je vous laisse aussi. Je voudrais faire un petit tour. Repose-toi bien. Il ne faut pas se surmener. Ouf. On est en train de terminer.
toutes ces créatures qui apparaissent ici. Pour aller au réacteur, vous devez obtenir l'autorisation de Sisney. Je vois parfois comme des ombres noires près du réacteur. Quoi ? Bien, j'ai fini. Peut-être que je devrais essayer ces aliments de luxe pour mes prises. Ah, quelque chose vous intéresse ? Je vous en prie, regardez tranquillement. Merci bien. Revenez quand vous voulez. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais... Un client. Bienvenue. Déroulez votre... Saviez-vous que ce VX est le moyen? J'attends donc avec impatience votre rapport d'exploration détaillé de cette région.
te précipite pas. Je vais m'en occuper. Laisse-moi te faire, je compte sur toi. Arrête pas, tu là. Ne t'attaque. Ça va de ton côté. C'est une chute. Je vais m'en occuper. Let's go.
toi de jouer. Ouais, aucun problème. C'est canon. Je sais que ça te dérange. J'ai veillé à rassembler scrupuleusement toutes les données de Cloud. Loin de moi l'idée de vous ennuyer, mais ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas remis de rapport d'exploration. Bien sûr, je n'oserais imaginer que le plus grand mercenaire du monde pourrait avoir oublié l'une de ses missions. Je sais que vous êtes très occupé, mais je compte sur vous.
plein de bolégongas sauvages dans le coin. Tu peux en... Ils sont très chers à Midgar, non? Tu sais, en fait, ce village ne paie pas de mine comparé à Midgar. Mais dans un... Il y a plein de bolégongas... Ils sont très chers à Midgar, non? L'apparence des champignons. Certains ressemblent. Moi, je peux facilement distinguer. Lesquels sont des bolégongas, à ton avis? Ceux de gauche. Ça se voit en un coup d'œil. Apparemment, tu es plutôt du genre à te précipiter vers... Je vais te donner un... Ok. Merci du conseil. Ce sol est agréable au toucher. On a l'impression qu'une force vitale en émane. Je regardais ces champignons séchés. Pour une soupe ou un pot d'eau? Qu'est-ce qui te ferait envie à toi? J'aime bien le pot-au-feu. Ah! Elle disait que le pot-au-feu de ta mère, j'aurais aimé y goûter. Faudra que tu me racontes ça. Nul ne doit tarir la rivière de la vie. C'est toi, Cloud. Tiens, un ami à toi? Je vous en prie. Mais ses yeux... Serais-tu un soldat par hasard? Ouais. Oh. Tu connais peut-être notre fils. Zack. Oh. Oh. Est-ce que tout va bien? Ouais. Comment vous dites? Zack. Il s'appelle Zack Fair. Zack, Non, je connais pas. Il est parti du jour au lendemain. Comme ça, sur un coup de tête. Au tout début, il nous écrivait régulièrement, mais... Quand je t'ai vu arriver, j'ai cru que tu étais la petite amie dont il parlait dans ses lettres. Je suis vraiment désolée de t'avoir embarrassée. Vous savez, des petites amies, il en a plus d'une, à mon avis. Oh. J'espère seulement qu'il se porte bien. Après tout, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit souvent. Oui, tout à fait. Si jamais vous le rencontrez, est-ce que vous pourriez lui demander de nous écrire une petite lettre? Je vous le promets. Bon, Cloud, on devrait y aller. Vous partez déjà? Je n'ai rien à vous offrir. Désolée. Oh, mais on vous a bien assez dérangé comme ça. Mais non, revenez quand vous voulez. Allez. Quand je rencontre des gens de Midgar, je sais que c'est une ville bien plus grande qu'ici, mais bon. Cloud. Je regrette. Je sais pas ce qui m'a pris. Je t'ai parlé de Zack. Tu te souviens? Tu sais, comme quoi c'était plus qu'un ami. Hein? En fait, je me suis rappelé qu'il venait d'ici. Et puis,
J'ai vu cet homme qui lui ressemblait. Alors je lui ai demandé, et c'était son père. J'ai pas du tout réfléchi. C'était pas délicat de ma part. J'aurais pas dû aller chez eux. Ça les a rendus tellement tristes. Faut pas dire ça. À mon avis, ça leur a quand même fait du bien. Oui, peut-être que t'as raison. Et donc, ce Zach, est-ce que tu l'aimes encore ? Ben dis donc, tu tournes pas autour du pot. Disons que... je peux pas le détester, ça c'est sûr. Alors, dis-moi. Rien du tout. Pas la moindre nouvelle. C'est pas croyable. Comment il a pu te laisser comme ça? Il est pas bien, ce type-là, franchement. C'est un soldat, hein? Dans ce cas, tu sais, si ça se trouve, il est peut-être mort. Ah! Ça va? Désolé, je vais faire une pause. En tout cas, apparemment, il connaît pas du tout Zach. Faut que je me repose. La spécialité de notre village, c'est ce qu'on appelle. Bienvenue. Vous devez être fatigué par un tel voyage. Allez, on a bien mérité une petite pause. À ce train-là, je crois que je vais mourir d'ennui. J'en peux plus. Ouais, c'est une arme. Alors dites-moi, c'est pour cette chose que vous êtes ici? Ouais, c'est plus ou moins ça. Vous l'entendez souvent? Depuis quelques jours maintenant, ouais. On a essayé d'enquêter avec la brigade. Mais il y avait plein de créatures étranges. Elles nous bloquaient la route. Des trucs noirs. Comme des manteaux volants qui tournoient. Ils m'ont filé la chair de poule. J'en frissonnais. Ça me rappelle quelque chose. Tu as vraiment pu les voir? Oh. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me demandes ça? Oh.
C'est sûrement des fileurs. De plus en plus intéressant tout ça. Oui, allez, dépêchons-nous. Toi, ma petite, tu restes ici. Quoi? Mais arrête! C'est pas juste! Je peux pas te laisser faire n'importe quoi. Empêche-la de nous suivre, s'il te plaît. Eh ben, ça promet. On file là-bas, on jette un coup d'œil et on revient. Je propose qu'on y aille, toi, Kate, Red et moi. Ça vous va? Entendu. Allons-y. Toutes les deux, vous protégez le village. Il m'a prévenu. Vous pouvez passer. Une arme, je veux bien, mais je m'attendais pas à des fileurs. Dites. Ces fileurs, c'est quoi exactement? Les gardiens du destin. Ils apparaissent devant ceux qui menacent de le changer, pour les remettre dans les droits chemins. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on les a pas vus. Nous avons échoué à un des sérieux. Profite de l'occasion.
mon imaginaison. La Shinra. Oui. Et le fait que je trouve ça improbable, j'ai indiqué sur. Soyez très. Donne-lui le coup de grâce. Mission accomplie. Je compte sur vous pour la revanche.
Oh, allez pas m'énerver.
Eh ben, impressionnante verdure. Les sites des réacteurs Mako sont sélectionnés pour leur taux élevé d'énergie. Par où on va entrer ? Les fileurs. Ils ont l'air différents des autres. Tu trouves ? Bien. Je n'attends que toi. Venez, on les suit. Sommes-nous encore loin? Dans combien de temps arrivons-nous? Environ une heure, madame. Qu'est-ce que je vais utiliser en premier? Croyez-vous que vous en aurez l'occasion? Est-ce que tu es naïf? Les occasions, ça se provoque.
chier autant d'eau ici. Un peu de nage, mais... Allez, ensemble. Ne reste pas, Pilar!